Le JT Foot Mercato avec Parion Sport en ligne. Avec le code FM15, profitez d'un bonus de bienvenue de 85€ plus 15€ sans dépôt sur Parion Sport en ligne. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La nouvelle formule portera-t-elle chance au PSG? Elle lui offre en tout cas une grosse adversité dès le début de la compétition. Avec la nouvelle phase de ligue qui regroupe les 36 équipes au sein d'un même classement, il ne faudra pas se louper. Encore moins pour la première journée avec le match piège qui attend les hommes de Luis Enrique, l'équipe espagnole de Gérone. Interrogé en conférence de presse sur la version du PSG sans Kylian Mbappé, Michel, l'entraîneur du club espagnol, estime que Luis Enrique a trouvé des solutions et des alternatives pour pallier le départ de son attaquant cet été vers le Real Madrid. Bueno, veo que Luis Enrique le ha dado al equipo ahora mismo una presión que a lo mejor en otros momentos le ha podido costar más, pero bueno, perder Mbappé es malo para cualquier entrenador, yo lo tengo claro. Evidentemente han buscado soluciones y lo han hecho muy bien. Han puesto incluso Asensio de falso 9, tienen la solución con Colomuani, o sea, tienen alternativas, pero sí que ahora el equipo es agresivo, llevan 4 goles de media en la competición de la Liga. Au-delà de la perte sportive, le départ du français a eu des conséquences négatives concernant le merchandising et le marketing. L'équipe révèle ce mercredi que le club de la capitale, qui se réjouit d'avoir passé la barre des 10 millions de fans sur sa chaîne WhatsApp, a perdu de nombreux abonnés sur son compte Instagram. En effet, ils sont 5 à 10 millions de moins depuis le départ de KM9. Le quotidien sportif ajoute que les pensionnaires du Parc des Princes attirent moins la presse et surtout qu'ils vendent également moins de maillots sans Mbappé, mais aussi Neymar et Lionel Messi, partis il y a un an. Hormis Kangin Lee, qui a une grosse cote en Asie, les joueurs de Luis Enrique ne sont pas de gros vendeurs de maillots. Pour le match de ce soir, avec notre partenaire Parion Sport en ligne, vous pouvez parier grâce à notre offre de bienvenue de 85€ et un bonus de 15€ sans dépôt avec le code FM15. Et comme d'habitude, pour vous aider, voici les pronos de la rédac. De mon côté, je vois une victoire du PSG 3-1. Alexandre voit aussi un large score pour les Parisiens avec un score de 4-1. Et puis Stéphane, qui de son côté, imagine bien une victoire 2-0 pour Paris. Et si vous voulez empocher un plus gros jackpot, il y a le Paris Fun. Je vous propose Bradley Barcola double buteur. La cote est à 8. N'oubliez pas les amis, les paris restent un jeu. Il faut jouer avec modération. Cet été, le Paris Saint-Germain souhaitait miser sur Raymond Carey. Prêté l'an dernier à Lorient, le joueur sous contrat jusqu'en 2025 n'a pas convaincu Luis Enrique. Le Parisien révèle que le technicien espagnol, réputé pour son exigence, a été surpris négativement par le jeune joueur qui se serait présenté à la reprise en léger surpoids. Il n'aurait pas fait preuve d'une grande motivation lors des entraînements aux yeux de l'Asturien. Pour toutes ces raisons, Lucho a décidé de ne pas miser sur lui cette saison. La porte s'est donc ouverte durant le mercato où le Royal Antwerp et plusieurs clubs de Ligue 1 se sont positionnés. Mais il a refusé toutes les offres d'après nos informations. Malgré la défaite de Lille face au Sporting Lisbonne, Bruno Genesio n'a pas voulu blâmer ses joueurs en conférence de presse. Je pense qu'on découvre, pour la plupart d'entre nous, on découvre cette compétition. Et je pense qu'on a vu ce soir quelles étaient les exigences d'une telle compétition. Et sans faire offense au Sporting, qui est une très très bonne équipe, c'est certainement pas la meilleure équipe du groupe qu'on a affronté. Il y en aura d'autres bien meilleures dans l'intensité, dans la technique, dans la tactique, dans la faculté à exploiter nos erreurs. Il va falloir apprendre vite. C'est, je pense, une bonne expérience pour nous. Wissam Ben Yedder, attaquant de 34 ans, évite la détention provisoire avant son procès prévu le 15 octobre. Il a proposé une cure de désintoxication à l'alcool en remplacement de la prison. Impliqué dans plusieurs affaires extrasportives, dont des accusations de viol et d'agression sexuelle, il a récemment été placé en garde à vue après des incidents impliquant une jeune femme. Ben Yedder, qui nie les accusations d'agression, a vu son permis confisqué mais reste sous contrôle judiciaire. La cour d'appel a décidé de maintenir ce contrôle en attendant son procès pour agression sexuelle en état d'ivresse. Adrien Rabiot à l'OM, il faut encore se pincer pour y croire. Et au lendemain de l'annonce de sa signature à l'OM, Adrien Rabiot a expliqué son choix. Lui, le joueur formé, est révélé au PSG. Je n'ai rien à expliquer à qui que ce soit. Je fais ma carrière. On peut se rendre compte que rien n'est impossible dans la vie. Avec de l'expérience et d'autres circonstances, on peut se rendre compte que les choses sont différentes. Peut-être que ça en a déçu certains, mais ce choix m'appartient. En discutant beaucoup avec Benassia, le coach et le président, ils m'ont exposé le projet ambitieux de l'OM. J'ai adhéré tout de suite. Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir. On ouvre cette page à l'étranger pour parler d'une bien triste nouvelle pour le football italien et les amoureux du ballon rond en général. Salvatore Schillaci, surnommé Toto Schillaci, footballeur italien et légende des années 90, est décédé ce mercredi 18 septembre à l'âge de 59 ans. Il était hospitalisé depuis le 7 septembre dernier dans un état critique au service pneumologie de l'hôpital de Palerme. L'ancienne légende italienne est finalement décédée ce mercredi. Passé notamment par la Juventus et l'Inter, le natif de Palerme avait brillé lors du mondial 1990 grâce à son duo
formé avec Roberto Baggio. Il avait inscrit 6 buts dans la compétition et avait largement contribué à la 3ème place de son équipe. Après la large victoire du Bayern Munich contre le Dynamo Zagreb en Ligue des Champions hier soir, Vincent Kompany est revenu sur les critiques qu'il a eu à affronter depuis son arrivée sur le banc bavarois. I'm born in Brussels, yeah. Northern Quarter in Brussels. My dad was a refugee, came from Congo to Belgium. What were my chances of ever setting a foot even in the Premier League? Playing in the Premier League, winning something as a player, playing for the national team and so on. If you take the odds and the chances that it was for me to happen, 0.001%, you know? And now I'm a coach. A noter aussi le baptême de feu en Ligue des Champions de Michael Olise, titulaire lors du carton 9-2 face au Dynamo Zagreb. Olise a souvent été dans les bons coups. Il s'est d'ailleurs offert un doublé, servi par Joshua Kimmich à la 38e. Il a placé une tête gagnante. Puis il a été l'auteur du 5e but de son équipe à la 61e minute. Avec ses deux buts, il est d'ailleurs le premier joueur français à inscrire un doublé pour ses débuts en Ligue des Champions depuis Thierry Henry en 1997. Bref, tout sourit donc à l'ancien joueur de Crystal Palace. Parfois oublié depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Rodrigo ne reste pas moins un joueur clé pour l'attaque du Real Madrid et ses coéquipiers à l'image de Jude Bellingham le savent mieux que quiconque. Après la victoire face à Stuttgart, l'international anglais a commenté une publication sur Instagram du Brésilien en écrivant « Seuls les imbéciles oublient le R ». Si le Real Madrid a longtemps été bousculé, il a bien lancé sa phase de championnat de cette nouvelle Champions League face au vice-champion d'Allemagne. Rodrigo a été décisif dans cette rencontre puisque c'est lui qui a délivré un caviar pour l'ouverture du score de Kylian Mbappé. Après ce choc, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a même profité pour mettre un terme aux rumeurs cherchant à diviser le trio Mbappé, Vinicius, Rodrigo. J'ai vu sur les réseaux sociaux que quelqu'un essaye de créer quelque chose de négatif entre Mbappé, Rodrigo, Vinicius et moi. La seule vérité est que nous sommes très bons amis, sur et en dehors du terrain. Gonzalo Montiel a été soumis ce mardi à un examen psychologique devant la justice. Le joueur de Séville fait l'objet d'une enquête pour abus sexuels présumés aggravés après une plainte contre lui l'année dernière. L'auteur du pénalty de la victoire finale au Mondial 2022 sera de nouveau convoqué ce vendredi pour des expertises complémentaires. Un ex-partenaire du joueur de 27 ans a indiqué avoir été drogué et violé par le joueur et d'autres hommes le 31 décembre 2019. À l'époque des faits présumés, Montiel jouait encore dans son pays natal, River Plate. Pour le moment, l'affaire n'est qu'au stade de l'enquête. On passe aux officiels désormais. Libre depuis son départ de Manchester United, Anthony Martial va signer à l'AEK Athènes. Le club grec vient d'annoncer la nouvelle. Une information dévoilée en exclusivité sur notre site ce lundi. Nous vous avions expliqué que l'attaquant, qui était libre depuis la fin de son contrat à Manchester United, était en discussion avancée avec l'écurie grecque et qu'un contrat de 3 ans l'attendait. Toutes les parties se sont visiblement entendues et l'AEK a annoncé l'arrivée imminente du Français. Il est attendu ce mercredi en fin de journée. L'ancien joueur de Monaco passera ensuite sa visite médicale avant de paraffer un contrat jusqu'en 2027. C'est une information qui avait étonné tout le monde ces dernières heures. Désormais en National 2, les Girondins de Bordeaux essayent de se construire un effectif pour remonter rapidement en National, puis en Ligue 2. Depuis plusieurs semaines, le club au scapulaire annonce des recrues parfois étonnantes. Ce mercredi, le club a confirmé l'arrivée de l'anglais Andy Carroll. L'attaquant passé par Newcastle et Liverpool évolue à Amiens en Ligue 2. Il quitte donc le club pour rejoindre Bordeaux, deux divisions en dessous. Libre de tout contrat depuis son départ de l'Ajax Split, en août dernier, Ivan Perisic a retrouvé un club. Hier, le magazine néerlandais Voetbal International indiquait que l'international croate de 35 ans allait faire ses valises du côté d'Eindhoven, aux Pays-Bas. C'est désormais officiel, le club néerlandais a annoncé la nouvelle. Raphaël Leao est un joueur très technique, tellement technique qu'il peut même jongler avec un chewing-gum. C'est notre image du jour, je vous laisse là-dessus, c'est la fin de ce JT. Merci pour votre fidélité, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.